Bienvenue sur mon podcast et merci de m'accueillir chez vous. J'espère que tout va bien chez vous. Donc on se retrouve, je vous retrouve en Normandie. C'était pas prévu, mais on est là pour quelques jours. Alors vous allez m'accompagner ces quelques jours en Normandie. Normalement, vous avez dû voir une vidéo. J'avais commandé le pom-pom juste avant de partir. Et du coup, je ne l'avais pas reçu avant de partir. Enfin, une semaine avant de partir. Et là, je l'ai reçu. Je viens de le recevoir. Surprise dans la boîte aux lettres, je ne me souvenais plus. Il était dans un joli paquet en carton. Emballé dans un joli... vous avez dû le voir dans la vidéo. Dans une jolie pochette. En fait, c'est une photo... Je sais même pas si c'est une photo d'un des designs, peut-être. Et avec une petite, un petit sticker, ce pom-pom. J'avais jamais acheté le pom-pom. Je suis abonnée à leur compte Instagram. Et c'est trop beau, hein, mais... là, c'est la première fois que je vois que tous les modèles me plaisent. Enfin, j'ai suivi et à chaque fois qu'ils montraient... un modèle, j'ai adoré. Donc je l'ai surtout acheté pour celui-ci, dont la couverture, et aussi pour celui-ci qui a été fait par Audrey Borrego, donc alias Yardflex sur YouTube. Je le trouve magnifique. Apparemment, il y a une petite difficulté au niveau du colle. Elle explique dans son podcast. Bon, il y a des modèles qui sont trop beaux, hein. Celui-là, il y en a un d'Aurélie Lapoule aussi. Celui-ci aussi est beau. C'est pas Aurélie Lapoule, je crois que c'est celui-ci, celui d'Aurélie Lapoule. Que je le retrouve. Et celui-là aussi est trop bon. Non, celui-là, ça me tente moins, mais il est beau. Et Aurélie Lapoule. Celui-ci aussi. Voilà. C'est écrit Aurélie Texier, mais je pense que c'est ça, ça doit être Texier. Ça doit être Aurélie Lapoule. Donc voilà, je ne sais pas si un jour je lui mettrai, mais rien que l'objet est trop beau. Un jour, quand j'aurai plein de temps. J'ai aussi commencé à abonner. Vous avez dû le voir dans les vidéos. J'ai coupé mes cheveux au mois de mars, avril, je crois, pendant le confinement. Et au niveau des oreilles, je commence à avoir un peu froid.
Et j'ai déjà pas mal tricoté de bonnets. Bah, d'ailleurs, il y en a un. Mais pour moi, je dois en avoir un, je crois, un ou deux. Voilà. C'est celui que je mets en ce moment. C'est un modèle gratuit de. De Marie-Amélie Design. Et je l'avais tricoté en houli. Et avec un pompon de Toft. Donc, les pompons de Toft, je l'avais déjà dit dans mon podcast, ils ont la particularité de. On récupère la fourrure sur des animaux morts. Les animaux ne sont pas tués pour la fourrure. Et c'est quand ils sont morts seulement qu'on récupère la fourrure. Voilà. Et donc le bonnet que j'ai commencé. Donc, je trouve que c'est très très moche. Les côtes sont moches. Heureusement que c'est un revers, parce qu'il est vraiment moche. Donc, c'est le bonnet Blisko de Alain Dervoet, qui est sur son livre Tricoter le jacquard en rond. Et il me semble qu'il est aussi disponible sur Ravelry. Je vérifierai. De toute manière, tous les liens du podcast, je les mets sur mon blog. Le lien est en dessous, en barre d'infos, et c'est un lien qui vous mène à mon blog avec tous les liens. Donc, j'en avais déjà fait un pour mon père en drops et en drops charisma. Il était vraiment. Enfin, le tissu était beau, mais alors là, c'est de la. C'est de la brusca de Retrosaria. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Retrosaria, c'est des laines portugaises et ils ont des designs d'étiquettes trop mignonnes. Hop. Je vois pas du tout si vous voyez. J'ai pas mes lunettes en plus. Et ils sont connus, je sais pas si vous connaissez Mondim, leur laine à chaussettes. Moi j'ai le petit sac de laine à chaussettes, je l'avais acheté chez Woolen à Berlin. J'étais allée en septembre chez Woolen à Berlin et donc je suis allée chez Woolen. Et donc à Berlin chez Woolen, j'avais aussi acheté deux pelotes de Brusca, sauf que j'avais pas vérifié, ce sont des pelotes de 50 grammes et excusez-moi. Ce sont des pelotes de 50 grammes et donc 125 mètres et j'arrivais pas à trouver de projet qui allait avec si peu de quantité. J'avais vu un super bonnet chez Yarnflex qui était fait en brusca, mais et j'avais pas assez de quantité. Et là, donc, comme j'avais froid à mes petites oreilles, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas un Blisko? Je vais regarder si j'ai les bonnes quantités. Et oui, ça passe. Sauf que, donc, c'est la laine portugaise. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme mouton. Il faudrait que je regarde. Et là, ça va. La rose, ça va. Mais alors, la jaune, je ne sais pas si vous voyez. On dirait qu'elle n'est pas totalement filée. Et qui a des genres de pellicules dessus. Et du coup, ça me fait. Je trouve que ça me fait pas des mailles régulières au niveau des côtes. Après, au niveau du jacquard, ça va mieux. Mais bon, peut-être qu'au blocage, elle sera parfaite. Par contre, je suis vraiment contente des couleurs. J'avais un peu un doute. J'avais peur que ça fasse trop flashy. Et là, je trouve ça trop bien. Et voilà. Aussi dans la vidéo d'avant, vous avez dû voir. Je suis dégoûtée. Pareil, je l'avais commandé avant de partir. Je l'avais reçu. Je sais plus, je crois qu'il vient de Lituanie, c'est du fait main. Et je l'ai posé sur la table dehors en me disant comme ça j'y penserai. Et j'ai oublié. Il est trop beau. Donc je suis très trop contente de le retrouver.
Il est vraiment magnifique. En fait, je regardais un podcast de Audrey Borrego, c'est ça. Donc Yann Flex, et elle montrait qu'elle avait acheté sur Etsy. Je mettrai les liens dans mon blog. Et il s'est fait 11h minuit. On est peut-être faible à cette heure-ci. Je crois que 10 minutes plus tard, j'en commandais un. J'en commandais un. Je crois qu'il est un. Donc il est fait main. Je crois qu'il est à 40 euros. La livraison, le frais de port sont gratuits. Voilà. Donc moi je vais vous laisser. J'ai pris de quoi peaufiner mes patrons. On touche à la fin. Et je vous reprends. Après, on va peut-être faire un petit tour chez Action. C'est un peu le pèlerinage. En fait, c'est même pas vrai. Hein. Mon mari devait aller chez Leroy Merlin, et comme c'est juste à côté d'Action, je dis, je viens. Voilà. Et donc, j'aime bien aller à cette Action-là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix que dans la région parisienne. Donc, peut-être que je vous montrerai mon haul demain. Donc, je vous laisse et je vous reprends demain. Bye bye. On se retrouve vendredi. Donc hier, je vous ai dit que j'allais chez Action. J'ai pas beaucoup craqué. J'étais allée pour un but bien précis et donc me suis tenue à ce but. J'en ai eu pour 12 euros, je crois. Donc le but du jeu, c'était de trouver une trousse nomade. Comme on va souvent en Normandie et sinon. Et aussi que je voyage beaucoup de mon atelier à mon coin bureau. Il me fallait une trousse pour emporter mes stylos, mes cahiers. Donc j'ai trouvé la trousse nomade. Bah, si je commence à l'allumer. Donc dans celle-ci, il y avait déjà des choses. Il y avait une petite règle, des petites crayons de papier que je pense que je vais garder. Il y avait des choses un peu inutiles comme une trousse fantaisie que je vais pas garder, que je vais mettre dans ma collection de gomme. Un tas de crayons que, vu à mon avis, je fais ça et il se casse. Il y avait un cahier, un grand cahier et un petit cahier. Le grand cahier, j'ai du mal à rentrer et à le sortir, donc je m'en servirai pour autre chose. Le petit cahier, par contre, il rentre dedans, donc je pense que je m'en servirai. Donc, j'ai trouvé une trousse Hello Kitty pour mettre mes stylos. Hello Kitty Forever, donc qui ira dans la trousse. J'ai trouvé un taille-crayon, c'est pas le plus beau des taille-crayons, mais il servira toujours.
J'ai trouvé des crayons papier. J'aime beaucoup écrire avec les crayons papier. Et ceux-là, ils ont la particularité d'avoir des grippes. Moi, je tiens très très mal mes crayons. Pour une ancienne maîtresse, c'est pas terrible. Je dois le tenir comme ça, je pense. Et donc, je voulais essayer pour voir si c'était plus agréable avec des grippes. On verra. J'ai trouvé un outil indispensable pour toute scrapbookeuse. Si vous êtes scrapbookeuse, vous savez de quoi je parle. Donc, ils appellent ça un glue tape roller. Donc, c'est un roller de colle. C'est de la colle en ruban, double face. Très pratique pour coller les photos. Deux podcasts avant, je vous montrais que j'avais commencé des albums pour mes poupées. Et donc, si vous ne connaissez pas, je trouve ça vrai. Enfin, même pour coller des petites images, c'est vraiment très pratique. Et en plus, ça coupe. C'est comme un. Comment ça s'appelle? Les choses qu'on. Qui. Blanc, le blanco, là. Ça vous coupe la bande facilement. J'ai trouvé. Je ne savais plus où j'en ai déjà. Je ne savais plus où je les avais eus, donc c'est bien chez Action que je les avais eus. Ce sont des cahiers qui se partagent en quatre parties. Et donc avec quatre intercalaires. Les intercalaires sont amovibles. Donc moi, je suis quelqu'un qui est très peu organisé. Et donc j'essaye de trouver des astuces pour m'organiser. J'en ai déjà plusieurs, donc je vous ai disais de ces cahiers. Par exemple, je sais celui-ci pour les réseaux sociaux. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai celui-ci que je me sers pour Pinterest. Je me suis fait une petite fiche Pinterest. Et donc, il n'est pas très à jour, il faut que je le mette à jour. Là, il y a l'article. Est-ce que j'ai fait la fiche qui va sur Pinterest et sur le blog? Est-ce que, comme sur combien de tableaux Pinterest ça ira? Donc là, ça ira sur le tableau Pinterest, la fenêtre au petit pois, et sur le tableau voyage. Et là, dans les notes, est-ce que j'ai tout fait? Donc je mets une croix, tout est fait. Oui, j'essaye de m'organiser parce que je compte vendre des poupées, je compte vendre des patrons. Et j'ai déjà eu une boutique Etsy, rien de très sérieux, mais j'avais remarqué que la plupart des visites venaient de mon blog. Des gens qui cherchaient des choses sur mon blog, et parce qu'il y a quand même des choses sur mon blog qui intéressent les gens. Les gens venaient sur mon blog, cliquaient par curiosité, je pense, sur le lien Etsy. Je me dis que si je compte vendre des poupées et des patrons, il faut que mon blog soit le plus agréable possible. Alors, je ne suis pas une experte et j'ai pas les moyens de m'acheter, de payer quelqu'un pour le faire. Donc, j'essaye de me débrouiller comme je peux. J'essaye de faire en sorte que la visite soit agréable. Et que les gens aient envie de rester sur mon blog et les gens aient peut-être envie d'aller voir mes poupées, enfin, mon travail. J'essaye de m'organiser. De m'organiser. Celui-ci, je pense qu'il me servira à faire des to-do list en fait. Je vous ai montré il y a deux podcasts, je crois. Je m'organise avec mon Happy Planner. Donc tous les jours, je mets ce que j'ai à faire. Chaque tâche se partage en plusieurs tâches. Par exemple, un article de blog, ben, il faut faire les photos, retoucher les photos, renommer les photos, etc., etc., rédiger l'article. Il y a plusieurs étapes. Et donc,
Moi, ça me motive de voir où j'en suis, ce qui me reste à faire. Et ça, en plus, ça m'allège le cerveau. Voilà. J'ai un cerveau papier. Ça me laisse de la place pour autre chose. Donc, on continue après cet intermède organisation. J'ai trouvé aussi donc ces pochettes. Elles sont à 49 centimes chez Action. Voilà. Et moi, je m'en sers pour ranger toutes les étapes d'un patron. Donc, les gabarits, les premiers gabarits avant d'être transformés, jusqu'à l'écriture du patron. Et j'en ai déjà plein. Et je sais qu'il y en aura d'autres. Donc là, vous voyez rien. Là, s'il y a un des deux patrons. Et puis, pour mettre enfin, dernier objet de mon hall, pour mettre dans ma trousse nomade, il y a des bruits à côté. J'ai toujours peur qu'il y a quelqu'un qui vienne m'interrompre. Je suis désolée. Et donc c'est pour ça que je regarde d'ailleurs à chaque fois. J'ai aussi pris un stylo encre. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit avec un stylo encre. Et je me suis dit, ça peut être pas mal d'écrire avec un stylo encre. Oui, j'ai pour projet d'écrire un cahier quotidien avec des photos. Je trouve que on oublie vite. Des petites choses importantes, hein, qui peuvent être importantes dans notre vie. Et donc j'aimerais faire un cahier. J'ai trouvé le cahier. Et je sais que je vais écrire. Je vais pas écrire. Je vais écrire à la main. Je trouve que je n'écris plus non plus trop à la main. Donc j'écrirai beaucoup à la main sur ce cahier. Et donc ça serait pas mal de temps en temps d'écrire avec le stylo encre. Voilà. Donc j'espère que mon haul vous a plu. C'était mon premier. Oui, j'ai un miroir à côté de moi et c'est difficile de ne pas se regarder dedans. Donc c'était mon premier haul. J'espère qu'il vous a plu. J'ai pas mis les prix. Je verrai si j'y pense. Je ferai comme les scrapbookeuses. Je mettrai les prix dans un coin. Bon, à plus tard. Et je vous reprends 5 minutes, j'avais des choses à vous montrer. Donc on est dimanche et ici il fait super beau. Donc je me suis dit, je vais filmer dehors. D'habitude je peux pas, les voisins sont là. Aujourd'hui, il n'y a l'air d'avoir personne. Il y a beaucoup de résidences secondaires ici. Et je crois qu'on est tout seul aujourd'hui. Enfin bref. Donc dans le podcast précédent, je vous avais dit que j'essayais de caser le kit couleur. Que j'avais utilisé pour ma nièce, il restait beaucoup de quantité de laine, donc je voulais essayer de le recaser dans un autre pull pour adulte, soit pour moi, soit pour ma soeur, pour qu'elle soit assortie à sa fille. Pour l'instant, j'ai très envie de le garder pour moi. Enfin bref.
Donc j'ai réussi à caser à part deux couleurs. Deux couleurs qui me manquent. Là, il manquait du jaune pour aller jusqu'au bout. Et il manquait du rouge. Mais bon, sur les manches, ça ne se voit pas. C'est que dans le dos. Donc c'est pas tellement grave. J'ai pas fait d'échantillon. Donc du coup, ben, normalement, l'empiècement devait se terminer à 21 cm. Et j'ai toujours pas les 21 cm. Le fait que je ne sois pas dans l'échantillon ne me dérange pas. J'aime beaucoup cet effet serré. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il faut que je termine l'empiècement et après je ferai la séparation des manches. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, c'est le pull, mais je l'aurais sûrement écrit, c'est le pull un grand arc-en-ciel. Et j'avais tricoté demoiselle arc-en-ciel pour ma nièce. Et là, donc, c'est un grand arc-en-ciel en taille adulte, en taille M. Donc, dans le kit, j'ai réussi à caser une taille 5 et le kit couleur qu'on reçoit de Dérive Moi Natura pour faire le pull arc-en-ciel. J'ai réussi à caser une taille 5 ans et presque une taille M. J'ai aussi fait, au début des vacances, j'avais refait trois clonages du couple de mes poupées Olive et Magnum. Et puis je les avais mis dans une boîte et, avec l'été et avec comment, mes patrons, je les avais un peu laissés de côté. Donc là, je les ai repris et. Les deux, le couple d'origine. Donc, j'étais en train de m'en mêler, donc je reprends. Pour le couple origine, enfin mes prototypes, j'avais fait des tricots en rond, et donc au niveau des manches, après, quand j'avais fini tout le tricot, il fallait que je relève les manches. Et ça m'a un peu saoulée, je me suis dit, s'il faut que j'en fasse 6 comme ça. Donc j'ai pris le patron de la poupée, le patron du pull tube de la poupée que je suis en train de faire. Et bah, j'ai commencé à faire des pull tubes pour Olive et Magnum. Donc Olive, j'ai fait ce pull. C'était un peu trop échancré là. Donc du coup, j'ai fait un pull pour Magnum. Un peu moins échancré ici, enfin, c'est-à-dire que j'ai rabattu pour le col 8 mailles au lieu de 10. Donc voilà. Et j'en ai encore 4 à faire. Je sais pas si je ferai des rayures pour tous, si je ferai du point mousse pour tous. Mais ça m'amuse bien. Je crois que pour aujourd'hui, je vais pas vous reprendre, peut-être en vidéo. À plus tard. Les copines, on se tient la main et on se prend la main. Et on se. Lundi pour moi, on se retrouve dans ce qui est habituellement le coin de travail
de mon chéri. Juste avant, vous avez pu voir qu'on était parti à la chasse aux fossiles à Oulgat. On a ramené plusieurs. Dans celui-là. Et celui-là. Donc, d'après ce que j'ai compris, les falaises de la Vache Noire à Oulgat sont des falaises en argile. Et donc, avec la marée haute, les vagues font ébouler les falaises. Et donc, on peut récupérer des fossiles. Naturellement, nous, on est allés dimanche et c'est sûr que... Je pense qu'il y a moins de fossiles, enfin il y avait beaucoup de monde, donc on n'a peut-être pas eu. On aurait bien voulu trouver des ammonites par exemple. Je pense que elles avaient dû être ramassées depuis longtemps. Mais bon, je trouve ça chouette de trouver tous ces trésors qui tombent comme ça. Enfin bref. Donc j'ai avancé sur mes petits pulls. Voilà, Olive. Et. Voilà Magnum. Et j'en ai fait un autre que j'ai pas encore rentré, dont j'ai pas rentré encore les fils pour Olive. À un endroit, ça sera mieux. Bon, pour l'instant, je fais des tout simples. Je sais pas si je ferai peut-être des unis. Et puis après, je ferai peut-être du jersey. Et j'essaierai de refaire des plus élaborés. Mais ce qui me gêne dans les ouais, dans le tricot en rond sur des si petits. Des six petites choses, c'est que comment c'est que pour lever les mailles, c'est vraiment ouais, c'est pénible. Donc j'en profite puisque je suis dans le coin de mon chéri. J'espère qu'il n'y a pas de bazar. Ouais, si. Il y a un rouleau d'essuie-tout, les médicaments du chien. Je vais vous montrer. Je ne crois pas que je vous l'ai montré. Je me souviens pas dans un podcast. Donc, mon mari voulait que j'y fasse le bassiste de Kiss, donc Gene Simmons. Donc, c'est mon propre patron. Voilà. Avec les ailes de chauve-souris, le maquillage, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense qu'on entend mon mari qui chante. Il travaille aussi ici et il enregistre aussi. Je sais pas si on voit. Il enregistre le chant et sa basse avec ce micro. Donc je pourrais presque vous chanter une chanson. Voilà. Je pense vous reprendre dans la journée. À plus tard. Sur ce podcast du mois, je voulais vous montrer avant de terminer le podcast, c'est mon gilet Ronan que je vous ai déjà montré le dernier podcast. Il est devenu tellement grand que maintenant je suis obligée de le mettre dans un grand tote bag que j'avais eu chez Loop à Londres. Donc, je vous avais pas raconté l'histoire de ce pull, en fait. J'ai beaucoup de pulls doudou, de grands pulls doudou, pour avoir chaud, notamment en Normandie. Et
Ben, j'en ai aucun tricoté main, quoi. Donc j'ai des vieux machins pas terribles. Et donc je m'étais dit cet été, tiens, ça serait bien que je m'en fasse un vu que je sais tricoter. Celui-ci, il est vraiment spécialement long et je crois que je sais même pas quand est-ce que je l'aurai fini. Enfin, là, j'ai fini les côtes en brioche. Donc je vous avais montré qu'il y avait des petits. Il y avait eu des lâchers de mailles parce que j'avais pas le bon câble Chiagou. J'avais dû mettre un câble Aya Aya avec mes aiguilles. Et j'ai regardé en fait, ça ferait un petit trou, mais en coupant les fils, je peux peut-être recoudre derrière et ça se verra pas. Bon, ça sera pas terrible, mais ça sera mieux que rien. Donc j'ai fini les côtes et j'ai fait donc les côtes en point brioche et j'ai fait. Un rabattage que j'avais jamais fait, donc je l'ai déjà entendu plusieurs fois sur des podcasts, mais je l'avais jamais fait. Alors, je me suis entraînée pour le dire, mais je sais même pas si je vais réussir à le dire. Je crois que c'est Genies Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc, apparemment, ça veut dire le rabattage étonnamment extensible de Jenny. Donc en effet il est extensible sauf que je suis pas très satisfaite. J'ai l'impression que j'ai pas assez resserré le rabattage. Mais bon. Comme on dit, ça sera un bon gilet pour sortir les poubelles. J'ai pas regardé l'étape suivante. Je sais pas si on s'attaque aux manches avant de s'attaquer au reste du col, parce que c'est un pull. Je sais plus comment ça s'appelle, un pull châle, je crois. Quand il y a une. Il y a des côtes tout le long. Donc je n'ai pas fini ce pull. Mais par contre, j'ai fini ce podcast. Donc je voulais dire merci aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos petits messages sur les réseaux sociaux. Et à bientôt.